Vous irez au Futuroscope et vous deviendrez astronaute avec la nouvelle attraction incroyable, Objectif Mars. Futuroscope, toutes les forces d'attraction. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévision pour tenter de gagner tes places pour le parc du Futuroscope. 40 places sont à gagner, alors joue dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 29 juin au 4 juillet 2020 en partenariat avec le Futuroscope. Bonsoir à tous, mercredi 1er juillet, soyez les bienvenus dans votre journal et on commence tout de suite avec cette formation à destination des futurs services civiques de l'association Unicité qui avait lieu cet après-midi à Bar-le-Duc. Cette association a été créée en 1994 et a aujourd'hui 70 antennes dans toute la France où chaque année 7000 jeunes sont accueillis en service civique pour donner de leur temps au service des autres en aidant les jeunes mais aussi les personnes âgées. On écoute tout de suite Noémie Lombard qui est coordinatrice d'équipe et de projet. Donc l'idée en fait c'est d'informer les jeunes qui sont intéressés pour un service civique avec nous sur ce qu'on va faire cette année, sur les spécificités d'Unicité. On est une association pionnière dans le service civique, on est sur un service civique en équipe, donc les jeunes ne sont pas seuls et ils interviennent dans des structures partenaires. Donc voilà, c'est de les informer aujourd'hui sur ça. Et ensuite, si ils sont toujours intéressés, ils vont candidater. Et à la suite de leur candidature, ils passeront des entretiens individuels. Alors Unicité, on est sur Bar-le-Duc et sur Verdun et en fait il y a 15 jeunes qui sont sortis de la promotion, dont 8 sur Bar-le-Duc et 7 sur Verdun. Nous, notre mission, en fait, elle est déjà postée sur le site de l'Agence du service civique, donc c'est l'agence nationale, en fait, officielle. Donc nous, on a les missions qui sont postées sur ce site. Donc déjà, les jeunes peuvent candidater via le site de l'Agence du service civique. Et ensuite, vous avez le site unicité.fr sur lequel, en fait, ils peuvent trouver toutes les séances d'information qui vont avoir lieu sur la Meuse. Donc l'idée, c'est que tout l'été, il va y avoir des séances d'information pour que les jeunes qui sont intéressés, en fait, viennent chercher des informations et ensuite qui poursuivent leur candidature et les entretiens. En France, tous les véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques doivent être immatriculés pour circuler sur la voie publique. Pour ce faire, il faut veiller à ce que votre carte grise soit bien à votre nom au moment de l'obtention d'un véhicule. Désormais, il n'est plus possible d'effectuer cette démarche en préfecture. Vous pouvez donc passer par un portail internet ou faire confiance à des professionnels. Exemple ici dans l'agence Carte Grise Express de Saint-Dizier avec ce publi-reportage signé Nicolas Fontaine. Depuis 2 ans maintenant, Carte Grise Express réalise pour vous vos demandes de carte grise. En effet, depuis le 1er novembre 2017, les préfectures et sous-préfectures ont arrêté leur gestion de carte grise dans le cadre de la modernisation du service public. Carte Grise Express, c'est 2 agences près de chez vous pour vous aider dans vos démarches. Une première agence a été ouverte à Bar-le-Duc, c'est donc Mélanie Royer qui a eu l'idée de mettre en place ce principe, puisque les gens dans la rue se plaignaient en disant que c'était compliqué de faire les changements soi-même, malgré les sites qui se mettaient en place, mais toujours avec les contraintes d'être sûr de tomber sur le bon site. Carte Grise Express dispose d'une habilitation préfectorale. L'habilitation permet donc n'est pas accessible à tout le monde. Déjà le fait d'être professionnel, ça permet d'avoir. On a le relationnel aussi. C'est vrai que sur le site internet, malheureusement, il y a aucun moyen de savoir réellement qui on a en face. Alors que là, le moindre souci, les personnes peuvent revenir. Le cas où la carte grise n'arrive pas sous les 2-3 jours, la personne nous rappelle, on peut voir la traçabilité, en fait, où en est la carte grise, est-ce qu'elle a été distribuée par la poste, il y a vraiment la traçabilité. Donc, sécurité pour les personnes. Pour faire votre demande de carte grise, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre dans une des 2 agences proches de chez vous. Mais attention à bien vous présenter avec les documents nécessaires.
On va avoir besoin du certificat de cession, donc le papier de vente qui est fait entre particuliers. Ensuite, on va avoir besoin de leur pièce d'identité, de leur permis, l'attestation d'assurance, le contrôle technique moins de 6 mois, et puis un justificatif de domicile aussi moins de 6 mois, et la carte grise de préférence, dans les cas où voilà, tout est complet. Mais Carte Grise Express ne se contente pas de vous apporter son aide pour vos démarches de création de carte grise. En effet, l'enseigne propose une multitude de services complémentaires, comme par exemple les cartes grises étrangères ainsi que les plaques d'immatriculation. Les plaques d'immatriculation, alors l'avantage c'est on peut proposer le pack complet, c'est-à-dire que il y a encore des véhicules qui sont immatriculés à l'ancienne version. Ce qui fait que quand on arrive sur les anciennes cartes grises, le véhicule va être immatriculé de suite avec la nouvelle formule. Donc on propose de faire les plaques dans la foulée. Comme ça, les gens repartent avec les plaques directement. Désormais, vos démarches de réalisation de cartes grises n'auront jamais été aussi simples. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finaluclos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.